كل ضلالة في النار. Nous rendons par Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons la bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le mois de Sha'ban, c'est le mois d'avant Ramadan. Ce mois-là, c'est un mois très important dans la vie d'un musulman. Dans ce mois-là, frères et sœurs en islam, beaucoup de hadiths font référence à l'état d'esprit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut vivre pendant le mois de Sha'ban? Quand on guette la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le mois de Sha'ban, on peut trouver que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'une façon de parler, infini rentre dans Ramadan. Comment ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est encore dans le mois de Sha'ban, comme si l'infini rentre dans le mois de Ramadan, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs narrations qui disent que parfois les types gardent le mois de Sha'ban complète rosa. Pas seulement le mois de Ramadan, mais les gardent Sha'ban complète ensemble avec Ramadan, connecté. 30 jours Sha'ban plus 30 jours Ramadan, 60 jours Rosa, parfois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam t'y peut garder. Mais sinon, si les pas t'y peut garder complète le mois de Sha'ban, mais la plupart des jours, les t'y peut finir garder le mois de Sha'ban sur Rosa. Alors, qui fait, frère en islam, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit rentre dans le mood de Ramadan alors qu'il est dans Sha'ban, parce que l'IN fait ça. Pour qu'il nous réussisse dans le mois de Ramadan, nous besoin de finir, prépare-nous avant qu'il nous rentre dans le mois de Ramadan. Nous ne sommes pas capables, la veille Ramadan, l'Ella qui nous peut arrêter nos bonnes péchés, nous peut arrêter nos bonnes actions inutiles, nous peut arrêter nos bonnes désobéissances, nous peut arrêter de perdre les temps. Alors l'Ella nous peut dire, là demain Ramadan, moi arrête de droguer. M'arrête de faire zina, m'arrête de coquin, m'arrête de vivre monafique, m'arrête de vivre vendée, me changer, là, me prendre résolution, la veille Ramadan. 99% du monde qui finit faire ça, oui, il est marché pour une semaine. Il est marché pour une semaine. Pour cette raison qui, quand on vit pendant le mois de Ramadan, on trouve sa première semaine-là, tout le monde devient ange. Tout le monde devient wali Allah. Et je te fais coller à tout, quand on pardonne notre premier saf. Et je te fais coller à tout, quand il m'en papé l'y a bien. Et je t'en coller à tout, quand on pas fait programme digne. Parce qu'il a, je te l'ose à l'enthousiasme, excitation la faux, la veille Ramadan. Mais seulement, pareil comme un Pepsi, quand on s'accouille, on trouve gaz, comment monter. Ah bien, quand ce gaz est fini, après une semaine, après 7 jours. Ça même dit monde qui t'y paye la guerre là, tu ne prends pas place, tu prends place réservée pour toi. Moussalila, il m'a tout dans ma zid pendant un an. Bah, il prend, veut dire, il est excité pour Ramadan la veille. Alors, il commence la guerre, premier saf, il commence à faire ça. Mais après, quand Gazine finit de sopine, trouve-le, quand pour trouver là? Ben, il tout dur pour faire dîner les 25. Là, il est revenu là. Parce qu'il prend une abriani. Ah ben, quand arrive ça, quand nous pas suivre ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin faire, nous besoin préparons-nous bien avant que Ramadan rentre. C'est pour ça que ban tabirin, ban musulmans qui fin vivre dans l'époque de ban sahaba, et n'a type commence préparation Ramadan lendemain Ramadan. Parce que je fin trouver qui ban manquement fin n'a pour eux pendant le mois de Ramadan. Qui ban lacune, qui ban erreur que je te fin faire, qui ban l'opportunité que je te fin rater, qui ban quitte chose que je te besoin faire plus. Je te fais un compte rendu, lendemain Ramadan, je te commence travail, je te ban manquement qui finit là pour Ramadan prochain. Parce que Ramadan, frère en islam et sœur en islam, c'est l'opportunité dans nous l'existence. Ça. C'est l'opportunité pour nous gagner paradis.
À cause ça, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui peut donner l'exemple pour qu'il y finisse préparé pendant le mois de Shaban. Alors nous ici, au minimum, si nous pas nous préparons depuis l'endemain Ramadan de l'année passée, les bons qui nous arrivent Shaban, qui nous commencent à mettre en pratique certaines bonnes préparations. Prépare nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Préparation la veille, normalement, il n'est pas mort, c'est ça. C'est à ce temps-là qu'il nous besoin de préparer nous spirituellement. À ce temps-là qu'il nous besoin de redresser nos relations, si nous pas encore redresser sa relation là avec Allah. À ce temps-là qu'il nous besoin de montrer nous sincères plus. À ce temps-là qu'il nous besoin de préparer pour nous faire un bon ibadat. Sa variété de ibadat qu'il y a dans le mois de Ramadan. Sadaqa, zakat, qiyamul layl, du'a. Beaucoup de ibadat qui aujourd'hui, frères en islam, finira. Parce qu'aujourd'hui, si chacun pose une question, qui dernière fois il lève sur la main, il crie Allah. Pas cause namaz. Sincère envers toi-même, frère en islam et sœurs en islam. Qui dernière fois tu l'assises, tu lèves la main, tu cause avec Allah. Tu demandes avec Allah, tu mendies avec Allah. Qui ça dernière fois là, ça? Qui sa dernière fois tu ne fais éloge à Allah avant de te demander quelque chose? De la santé, de business, de madame, de enfants, de bien-être, de sécurité sur la terre, de l'honneur. Quand on lève ton âme, qui dernière fois, frère en islam et soeur en islam, tu n'as assisé, tu n'écoutes un peu, kalam Allah. Chacun compte sur la vie. Qui dernière fois, quand l'imam finit, wa alaikum salam, assalamu alaikum, wa alaikum salam, qui dernière fois, tu as 5 minutes en plus dans la case Allah. Tu ne fermes, tu lisais, tu ne médites l'auto-raison de d'existence. Qui fait mon lazoudi? Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie mal au la terre? Hal ata ala l'insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Insan, un moment dans l'existence, il pas existe. Allah fin donne toi l'existence. Est-ce qui, dans sa l'année qui ne passait là, tu ne déjà assisé, tu ne disais, mais qui fait l'un choisi à moi pour sa cadeau de l'existence? Tu ne réfléchis au faveur Allah. Tu ne réfléchis au faveur Allah qui ne donne toi le don, veut dire de parler, de la parole, don de l'ouïe pour te écouter, la vue pour te trouver. Tu nous as réfléchi concernant ça? Tu ne déjà assisé, remercie Allah. Lève la main et te dis Allah. Ya Allah, tu me donnes moi lisier, alhamdulillah, me remercie-toi. Tu me donnes moi oreilles pour t'endier, me remercie-toi. Mon écoute ton kalam, Quran. Ya mon écoute ton kalam. Ya mon écoute, un djimoun qui connaît le Quran, sunnat Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et si compte écoute Quran depuis les autres, sur les sahaba. Ya Rab, ya mon pense-toi. Quand on pense à Allah, frères et sœurs en islam, quand on pense à Allah, nous n'assisez. Nous ne pensons qudrat Allah. Nous ne pensons miséricorde d'Allah. Nous ne pensons générosité d'Allah. Quand nous ne pensons sifat Allah. Quand nous sentons nous frissonner quand nous pensons Allah. Est-ce qu'il nous fait aller, frère, en islam? Chacun de nous, bizet, mette-le devant sa bonne parole. Parce que sa dunya, les pions pillent nous de jour en jour, insan, l'insan par l'apparence, l'inépi insan de sa réalité. ثم رددناه اسفل سافلين. Nous perdons notre pli bas que la terre. Inhum illa kal an'am bal hum adall. Zot comme ban bétail peut sinon pli pire. Mais qui ça dimon qui en cause sur l'apparence et sur l'intérieur, il est vraiment insan à l'intérieur. Bien si qui dimon qui insan à l'intérieur. Zodi nous fin faire nous la vivre une formalité. Formalité. La vie musulmane n'est pas formalité. La vie musulmane, sur l'extérieur et sur l'intérieur, elle ressemble. La vie musulmane n'est pas une double face. Un musulman, il y a une seule identité. Ce qu'il est causé, saute dans son équerre. Ce qu'il est pensé, saute dans son équerre. Lorsque son visage paraît libre. Lorsque son comportement paraît libre. Mais quand, frère, en islam, nous faisons une cause avec Allah, nous faisons frissonner quand nous faisons tan. Allah, ce nom, nous fin sentir un chagrin dans nos cœurs quand nous écoutons parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans le hadith,
Pour un homme dans mon ummat, pour venir qu'il est capable de donner tout ce dunya si je peux trouver visage Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a autant de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam? Où est-ce qu'il y a ce sentiment? Où est-ce qu'il y a ce sentiment qui s'abuse ou l'équerre? Où est-ce qu'il y a ce sentiment ça? Ça sentiment qui a autant de sifat Allah, ça fait ou l'équerre, frissonner. La chair des poules, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, la chair des poules levée dans l'écho un croyant quand il pense à Allah. Quand il pense sacrifice sa banjimoun qui fait l'idée pour le plaisir d'Allah. Quand il pense sacrifice qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin faire. Quand il pense sacrifice qui ben sahaba fin faire. Sacrifice de zot 10 ans. Sacrifice de zot l'argent. Sacrifice des autres la vie. Sacrifice des autres madame, des autres enfants. Est-ce qu'on a 6 jours, quelques jours dans la vie depuis l'année dernière, où dit Allah, y'a Allah qui fait mon parti parmi eux. On dit, est-ce qu'on gagne les temps, prend ou même compte en tant qu'un musulman? Nous va vous dire, nous pas la poussise, Zimoun, zot bizensis eux même. Saken bizensis lui-même. Pour qu'il nous parle, nous trompe nous-mêmes. Parce qu'il nous croit qu'il vraiment, Allah doit nous paradis. Nous croit vraiment un vrai musulman devant Allah. Nous croit vraiment nous comptons Allah. Nous croit vraiment nous comptons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous mettons dialogue. Mais ce dialogue-là, nous sommes capables d'évaluer dans nous l'écho. Est-ce qu'il est vrai? Ou bien saisis nous peut baiser en scène. Zotes, vous êtes connus. Nous, nous sommes connus. Pour qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il raconte nous le jugement, un tapal découillonné sur le Qiyama. Qui fait ça, hein? Un tapou de couillonné au Qiyama. Parce qu'il peut croire qu'il est capable d'embêter Allah. Musulman peut croire qu'il est capable d'embêter Allah, frère. Yukhadi'un Allah. Manjimoun, je fais trick avec Allah. Ou capable faire trick avec Allah. Oui, ou capable faire trick avec. Imam, capable faire trick avec Moussali. Un alim, capable faire trick avec ce man suiveur. Il décore Monsieur Kontou ou bien Mr. Clean. L'icône cassiette sur un défaut. L'icône cassiette sur un agenda. Dis-moi capable. Fais ou faire une perception, l'oli, Mr. Clean. Mr. Impeccable. Mr. Parfait. Mr. Justicier. Tout capable de faire. Parce qu'insan n'est pas con dans l'équerre. N'est pas con ou la vie privée. N'est pas con ou l'intention. N'est pas con comment on vendait. N'est pas con comment on cheap. Parce qu'il n'est pas connu ou opaque. Ça les qui est là, personne n'est pas comme ça. Mais seulement ou capable d'embêter Allah. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mais en fait, je peux embêter eux même. Je ne suis pas pour capable, nous pas pour capable d'embêter Allah. Yaouma tub les sarair. Le jour où il y a un secret pour livrer en public, ou la vie privée pour venir en public. Ou ben trick pour venir en public, ou ben hidden agenda pour venir en public, ou caprice qui vous fait faire halal, vin haram, haram, vin halal, pour venir en public, ou trahison de conscience, ou trahison de l'engagement vis-à-vis Allah et son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, tout pour venir en public. Yaouma tub les sarair. Mes frères en islam et sœurs en islam, c'est l'opportunité. Allah subhanahu wa ta'ala citant les gentils. Citant Allah subhanahu wa ta'ala les gentils, les miséricordieux. Lui encore donne-nous l'opportunité. Dernier pli pied du monde, Allah pas ferme la porte tauba avec lui. Allah pas ferme la porte tauba avec n'importe qui s'en là. Qul, dit ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, ya ibadi, alladhina asrafu ala anfusihim. Ban esclave ou ban esclave qui finit transgressé. La taqnatu min rahmatillah. N'a pas perdu l'espoir ou Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah certainement lui pardonne tout ban désobéissance, tout ban péché. Innahu huwa al-ghafur rahim. Certainement, Allah lui pardonneur. Allah lui pardonneur et yena miséricorde. Mais seulement, frère en islam, une catégorie du monde qui nous bise peine à ça dans nous.
pas même doux rôle avec Allah. N'a pas même doux rôle avec Allah. N'a pas route embête Allah. N'a pas route fait trick avec Allah. Paye Allah. Allah li pour évaluer aux paroles. Allah subhanahu wa ta'ala li pour tout bonne action. Allah li juge ou l'intention. Allah li conda ou l'équerre. Nous prenons ça, mois de Chaban, comme un mois pour qui nous préparons dans toute façon possible pour qui, quand Ramadan rentre, nous gagnons faveur à Allah subhanahu wa ta'ala. Blie, Jimoun. Fais une vision qui te tout seul, l'olaté. Arrête de gagner tracas, Jimoun. Arrête de gagner tracas, qui te sauce, qui est là, je ne pas prendre tracas, pas prendre tracas, Jimoun. Blie, Jimoun. Jimoun, jamais pour une pour toi. Si vraiment Jimoun, tu pouvais pour Jimoun, tout Jimoun, tu pouvais pour Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. De Rasulullah, toi, pliez Jimoun, pliez les autres, agrippe-toi avec Allah, attache-toi avec Allah, vive pour Allah, vive dans la limite d'Allah, vive dans son obéissance, fais effort pour vivre dans son obéissance. Allah prend tes responsabilités. C'est lui qui place sa confiance dans Allah. Allah suffit pour lui. Alors donc, frère en islam, n'a pas laissé problème dunya divert nous, faire nous distraire avec ça, ça joue qui est important dans nous la vie, les premiers jours de Ramadan. N'a pas laissé sa dunya tient nous l'os à l'objectif. N'a pas laissé problème dunya tient nous l'os à l'objectif. Prépare-nous comme un Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin prépare-nous afin qu'Allah lui gracie nous un Ramadan Mubarak inshallah. Mais seulement frères en islam et sœurs en islam, toute activité vit normale, ça gouverne mal, il y a encore peut faire sa tyrannie l'oban lieu de culte, surtout ban masjid. Alors nous ban jimon, nous respecter la loi. Nous respecter la loi tant que la loi là est en sens. Tant que la loi là est responsable. Tant que la loi là, il y en a du bien là-dedans. Mais quand la loi lui tourne à la démagogie, quand la loi là lui vient injuste envers lui-même, quand la loi là lui vient politique de poids, de mesure, certaines places la loi appliquée, certaines places la loi pas appliquée, alors musulmans, ils n'arrivent l'air pour qui? Tu bise connaît est-ce qu'il te pour continuer accepter ça? Ça nonsense qui nous masjid pas gain droit regroupe plus que 50 dimoun. Est-ce qui si ça la loi là encore en vigueur ou bien s'il pourrait continuer en vigueur pendant le mois de Ramadan, est-ce qu'il nous pour continuer accepter ça? Mais qui raison qui nous supposait accepter continuer accepter la loi pareille? Basant le quoi qui nous supposait qu'on tient accepter la loi ridicule, qui l'a tout place, dans tout place, pour m'en nul au la place, pour ben nul dans la mer, pour faire toutes sortes de qualités manifestations culturelles, tout ça là, pendant la loi, zis poado, nous créateurs, parce que communauté qui fait ribadat en congrégation, c'est islam. C'est nous musulmans. Alors, nous pour attendre, nous vous guettez, qui musulmans sont réaction, qui nous banne député, qui prend responsabilité, qui demain ne pas répondre contre Allah, qui prend un témoignage contre Allah, ça banne député, qu'il soit dans le gouvernement ou bien dans l'opposition, qui se position vis-à-vis rassemblement de masjid pour Ramadan, qui restriction pour mettre l'eau la communauté pendant le mois de Ramadan, parce qu'il nous. Nous 20% au minimum de sa pays, nous contribuons pour bâtir sa pays. Nous avons nos contributions à tout niveau de sa pays, mais seulement nous amenons une mendiant dans sa pays. Nous contribuons, nous pas nous prenons jamais nous. Nous tout le temps donner nous. C'est la communauté qui pense s'arrêter au gouvernement. Il nous donne lui. Il nous donne le gouvernement, il nous donne la population. Ah ben, nous pouvons être dans certains privilèges qui. De droit, nous gagner, qui nous imam, qui a un droit sorti de haut pour venir faire salat tarawih, je gagne, je ban visa, nous gagne l'opportunité pour
faire ibadat Allah en congrégation, nous gagne beaucoup l'opportunité qui pendant 3 ans, pour une raison normalement les justifier, mais finalement t'a profité l'eau-là, pendant 3 ans, pas finena, ibadat dans masjid, dans Ramadan, mais est-ce que ça pour durer la communauté, ex-député, ex-bandirisop, pour être accountable devant Allah. Nous, nous besoin, comptons la justice, nous respecter droit, mais seulement droit là, les besoin, un droit qui vraiment, qui représente la justice. Nous faisons droit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les fait tout vint bon, les améliore nos situations dans l'île Maurice, les améliore situations musulmanes, les améliore situations la communauté, les améliore situations tout du monde dans l'île Maurice, parce que pour que Allah améliore la situation d'un pays, il faudrait la justice. Il faudrait la justice. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lui dit, Allah citant lui, lui comptant la justice. Allah subhanahu wa ta'ala citant lui de l'importance de la justice. Si dans un pays musulman, tawhid, qui adore Allah, qui peine kabar, adore kabar, qui peine aucun shirk, qui peine aucun bid'ah, mais si sa pays-là fait l'injustice, Allah détruit sa pays-là. Ça veut dire ça? Un tawhid même qui dit ça. Un grand imam tawhid qui appelle Ibn Taymiyyah, dans ce livre, il dit, si un pays musulman qui est dans l'injustice, Allah détruit sa pays-là. Mais si un pays kafir qui est dans justice là-dedans, Allah pour préserver sa pays. Nous n'avons les yeux nous trouver. Nous n'avons oreilles nous tendre. Aujourd'hui, où trouve sa pays là peut couler. Et l'indifférence de ban qui peut jouir à là-haut, mais qui fait pays là couler, qui fait pas couler avant, qui fait les couler les autres. Qui fait 10 mois n'est pas à manger. Qui fait 10 mois de autres budget, papa arrive la fin 10 mois. Parce qu'il y a injustice à tout niveau jusqu'à qui de nous garantir. Qui s'en de nous garantir qu'il ne pas arriver comme à l'Afrique, peine à manger bois dans l'île Maurice. Qu'est-ce qui n'arrive dans l'Ukraine? Pays européen, ça. Pays que je peux vendre, même la peau blanche, je peux blé. Qui peut arriver, je peux manger, je peux peine. Puis qui fait nous sentons-nous en sécurité, nous finissons de nous-mêmes garantir. La scolaire finit de nous garantir, non, il pourrait manger ce risque, depuis ce rose pour venir. Li mal Paul, din, li trahi Allah, li trahi Rasulullah, ça nous donne garantie lui-même. Qui s'en est de toi garantie, frère? Garantie, les bases de nos relations avec Allah, la justice aussi dans nos institutions. Tant que n'a peine à la justice, pour une seulement malédiction qui peut descendre. Alors, on espérait que sa gouvernement fasse justice, on espérait que les musulmans vivent dans la justice, afin qu'Allah, sur Rahmat, li conti descendre l'eau, nous. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى سنبي صلى الله عليه وسلم في نقاد روزة pendant le mois de شعبان alors en bref c'est une bonne loi qui est importante frère en islam pour garder روزة pendant le mois de شعبان. Si nous avons gardé beaucoup de jours, Rosa, nous avons fini comment se garder au départ même. Si le premier 15 jours, nous n'avons pas gardé Rosa de Shaban, nous n'avons pas supposé gardé Rosa après 15e. Hadith clair là. C'est qui, c'est un démon, depuis le premier Shaban jusqu'à 15e Shaban, il n'est pas gardé, il n'est pas supposé garder après 15e Shaban. Il besoin d'attendre, garder ce léco fit pour les garder Rosa Ramadan. Si un démon a habitué garder Rosa lundi et jeudi, il est capable de continuer à garder ce rosa lundi et jeudi, même après 15e Shaban, même après la veille Ramadan, il a le droit de continuer à garder ce rosa. Rosa Shaban, pour celui qui n'est pas habitué à garder, la veille Ramadan, il n'a pas le droit de garder rosa. Ça, en quelque, veut dire, bref, d'une façon, qui certaines bannent la loi concernant le mois de Shaban. Et aussi, frère en islam, une préparation qui nous besoin, pas oublier que Ramadan, ce n'est pas un mois seulement, un atarawi. Un mois qui est différent, ça. Soban, sawab, est différent. Relation entre nous avec Allah est différent pendant le mois de Ramadan. Nous supposons faire Allah plaisir pendant le mois de Ramadan. Nous supposons gagner le pardon d'Allah. Nous supposons être un meilleur musulman.
nous supposons faire la compte en nous. Nous besoin prendre tout bon, variété moyen qui Allah fin mettre pour nous gagner Allah ce pardon. Nous pas seulement concentrer le rosa. Nous besoin capable garder nos rosa. Nous besoin capable faire tout nos sunna. Nous besoin capable lever faire nos tahajjud. Nous besoin capable assiser le Coran qu'Allah m'Allah lire. Un tigit grammatin, un tigit tantôt. Nous besoin de zikrullah, l'odou la même. Quand nous pouvons masser, nous besoin pense Allah. Nous besoin lève l'ami avec Allah. Parce qu'il sait faire Allah content. Quand nous voyons nos bonnes ibadat, et surtout, tout l'argent. Prends ça l'argent là, c'était au paradis pendant le mois de Ramadan. Donne l'argent, n'a pas hésité. N'a pas guetté. N'a pas peur. Parce que l'argent là, c'est un amanat, ça pas pour toi, ça, amanat d'Allah, ça. Retourne ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui prend l'engagement pour donner ta place. Nous faire tout ça ibadat ou pour sentir un meilleur djimoun pendant le mois de Ramadan. Et après le mois de Ramadan, Allah pour sélecter ou parmi les meilleurs djimoun, inshallah. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous la chance pour nous vivre pendant le mois de Ramadan. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous profiter avec le mois de Shaban. Fais-nous iman augmenter, protège-nous pendant ce mois-là et fais-nous récolter, inshallah, pendant le mois de Ramadan. Walhamdulillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.